Christophe Demain, je viens de la région parisienne. Alors comment ça s'est passé ta course? Ça s'est bien passé, c'était une première expérience sur si long. Ouais. Le plus long que j'avais fait c'était 160 km à La Réunion. Donc c'était un peu l'aventure vers l'inconnu. Tu as eu des crises, des moments difficiles? Il y a eu des moments difficiles, c'est le premier après Courmayeur avec la pluie et la boue. Où, tu as failli renoncer là ou... Non, je me suis dit que connaissant la météo, il fallait juste attendre quelques heures. Donc j'ai dormi quelques heures par terre dans une couverture dans le gîte. Ouais. Quelques heures, c'est 6 heures quasiment. Ouais. Ouais. Donc il y a eu de la tolérance des organisations pour dépasser les 2 heures. Ouais. Et disons, là tu es triathlète du cœur. C'est quoi quelle est ta mission dans la course? Triathlète du cœur, c'est un projet... avec des amis à mon club de triathlon, l'ACB Triathlon. L'objectif, c'est de récolter des fonds pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque qui s'occupe d'opérer des enfants venant de pays là où c'est compliqué, les opérer du cœur en fait. Et donc typiquement, pour opérer un enfant, ça coûte 12 000 euros. Et donc l'objectif, c'était de récupérer 12 000 euros cette année. Et pour faire de donc c'est lié à des dons. D'amis ou de gens qui adhèrent à cela. Et donc, sur les courses, que ce soit des triathlons qui... ouais. ou des trails ou autres que l'on fait, ouais. on porte le t-shirt pour faire de la pub. Ouais, et par sûr. Exemple, là, c'est un excellent, ouais. une excellente façon de faire de la ouais. pub. Ouais. Dis-nous, est-ce qu'il y a une image, une photographie, un épisode qui t'est resté particulièrement dans la mémoire dans ces 350 km? En retenir un, c'est difficile. Il y en a beaucoup. Mais un sur tous. Bah, voir Cogne, ouais. voir la ligne de départ. Ouais, ok. Revoir la ligne de départ entier. Merci. Merci. Ciao. Ciao.